Qu'est-ce que la musique ? Techniquement parlant, ce n'est rien de plus qu'une suite de sons qui, une fois mis bout à bout, déclenche une réaction chez l'être humain. Je crois que c'est une occasion en or. Il y a un trou dans le marché. Comme personne ne veut être associé à Pirate Bay, personne n'ose lancer un vrai bon site de musique. Tu veux concurrencer la Silicon Valley ? La musique pour tous. Ensuite, on va construire le lecteur de musique le plus génial du monde. Et donc, si on est là, c'est tout simplement pour obtenir les droits. Vous devez voir ça avec les maisons de disques. Personne ne veut payer quelque chose qui peut être accessible gratuitement. C'est le début d'une nouvelle ère, croyez-moi. Car si on ne les arrête pas tout de suite, il n'y aura plus aucune industrie à sauver. Vous allez me faire une démo en pleine... Je peux vous garantir que c'est du jamais vu. Un service de streaming totalement légal ? Oui. Je dois reconnaître que c'est hallucinant. N'importe laquelle ? Absolument. Les artistes sont payés, tout le monde y gagne. Vous voulez de la musique ? Payé. Il faut montrer à ces gens-là que nous avons la solution, que je sais comment ils fonctionnent. Non. Je serais très contente si les gens arrêtaient d'enregistrer mes concerts et de les poster sur Pirate Bay. Ce que tu me demandes de faire est impossible. Personne ne voudra signer un contrat qui implique de la musique gratuite. Les temps ont changé. Est-ce que vous croyez que la taille de votre business model crée des problèmes pour les artistes ?